a reçu des instructions d'un laxisme absolu qui fait que délinquants et parfois même des gens qui devraient être traduits devant la cour d'assises font l'objet d'aménagements de peine. Vous considérez, votre gouvernement considère que la fermeté en matière pénale, ça doit être une exception. Ah bon ? Eh bien nous considérons que cela doit être une norme. Ah oui, oui, bien sûr. Il faut être beaucoup plus dur sur les peines. Il faut la certitude de la peine. Il faut arrêter avec les aménagements de peine. Le laxisme est une des plaies qui explique le déclin français. Il y a un sentiment de laxisme aujourd'hui dans les décisions de justice. Chaque délit ou crime doit entraîner une peine. Chaque peine doit être sûre et exécutée. Exécutée, ce qui n'est évidemment pas le cas. On ne peut pas multiplier les sursis. Le sursis, c'est une fois et pas plusieurs fois. Il faut rétablir la perpétuité réelle. C'est-à-dire que lorsqu'on commet un crime très grave, on va en prison. Et on irait.